Donc, je vais appeler Safin. Eh, la tête, j'ai trop hâte de Safin. Voir comment il va s'en sortir, etc. Les gars, restez calmes. Les dents. Les dents, bande de fils de... C'est quoi ce bordel? Vous m'avez mis dans un bourbier. Vous m'avez mis dans un bourbier. L'autre qui tape ça sur le micro. L'autre qui dit des dingueries, frère. Ouais, The Couples. Ok? Les gars, let's go. Je vais chercher Safin et la meuf. Sans troll, c'est triste un peu. Ouais, mais frérot, on peut pas faire que du troll, tu vois. Des fois, on fait du sérieux, tu vois. Des fois, on fait un tout petit peu de sérieux, etc. Surtout que la meuf, tu vois, faut pas non plus abuser, tu vois. Déjà qu'elle vient, elle joue le jeu, elle sait même pas c'est qui en face. Tu vois, rien que déjà, ça, c'est important. Là, ce mec, il est en confiance. Ce mec, il est en confiance. Et je te jure, je m'en fous pas. Voilà, je me suis endormi. Vas-y, voilà, Julie, t'as raison, je suis en train de dormir. Place-toi. J'imagine que tu veux un truc pour t'asseoir. Non, je veux rien, c'est bon. Tu veux pas t'asseoir? Non, c'est bon, je vais dormir. Voilà. T'as vu? T'as vu? Je joue au jeu. Quoi, je joue au jeu? Voilà, c'est pas pareil. Là, c'est pas. C'est pas comme avec JP. C'est l'insulter ou quoi? C'est fou, quoi. Je sais pas, toi. Là, c'est plus. Oh, les gars, JP, tu le vois qu'il est stressé, mais là, ça va. Ah, c'est normal qu'il me ressemble, c'est mon frère. Eh oui, vous savez pas qu'on est frère? C'est mon frère. C'est les mêmes. Comment ça s'appelle? Oh mince, t'as géré de fin, de fou. Sérieux? Ouais, j'ai kiffé, t'as trop géré. Tant mieux. Tu restes avec moi là pour le prochain. Ouais, pas de soucis. Je vais ramener la meuf. La meuf, elle vient d'arriver, tu sais qu'elle te connaît pas? Je sais pas si elle. Arrête, c'est bon, arrête de faire genre, ouais, je baille. Je sais pas si elle est ou pas. C'est bon, tranquille, il y a une fille qui vient pour toi, frérot, c'est bon. Tu veux qu'elle soit comment, toi? Comment ça, je veux qu'elle soit comment? Genre, t'as un. Bah, c'est quoi tes critères? Moi j'ai pas de critères. Petite, grande. Je veux pas. Mince. Je veux pas. Moi je l'ai vu. Moi je veux pas un avatar. Moi je l'ai vu. Normal genre. Moi je l'ai vu. Normal. Après je vais lui poser des questions, tu vois. Au début, oui, pendant 5 minutes, tu dois apprendre à la connaître. Ouais, c'est bon. Ok, je vais la chercher. Je vais la chercher. Let's go. Attends, le Instagram. Mon Instagram. Excusez-moi. De qui? De Barbara. Ouais. C'est des malades. Ils disent que c'est une escorte. Non, pas du tout. Pas du tout, les gars. Il y en a, ils disent qu'ils l'ont trouvé sur ce modèle et tout. Non, c'est impossible. Mélissa. Non, c'est impossible. Vous devez vous tromper. Quand on va me parler, je vais faire ça. Non, c'est impossible, tiens. Non, commence pas, je te passe son Insta. Il pète. Non, c'est moi, elle m'a envoyé. Ouais, t'es à l'aise, hein, Mas, devant la caméra. T'es à l'aise, hein. Ça, t'as l'habitude de projecteur. Ça se voit que t'as fait de la télé-réalité. Non, hein, t'as l'habitude de projecteur. T'as pas déjà fait de la télé-réalité, toi? Sur M6. Arrête de balancer les infos comme ça, t'es un. Je vais balancer les infos. Ouais, les gars, attends, je vais mettre en mode chat réservé aux abonnés, comme ça. Les gars, pas toxique. N'envoyez pas des dingueries, s'il vous plaît. Allez vous abonner. Donnez-lui de la force. Et là, ils sont en train de parler avec JP. Là, ils ça s'est fait. Ouais, non, mais après, franchement, ça s'est bien passé. Et je te mens pas. JP était content. Je pensais que sa réaction, quand elle allait le voir, ça allait être pire. Non, je te dis, elle est pas méchante. Tu crois, t'as vu qu'elle allait s'évanouir? Non, mais elle a pris une frappe. J'ai vu sa tête, genre, elle était. Elle a pris une petite frappe. Elle était perdue. Ah ouais? Elle a pris une petite frappe. Je crois, les gars. Mais après, elle est pas méchante. Je te dis, comme elle a dit, elle regarde pas trop. Moi, je suis mieux. Ouais. Ça s'est fini comment? Bah, ils ont fait la bise. Bien, après la bise là. JP m'a dit je veux parler avec elle. Il a call par contre. Ouais. Il était là, il est à côté. Il veut parler avec elle. Il veut parler avec elle. on ne l'a pas payé. C'est pas de l'acting. C'est pas une actrice. C'est moi qui la connais. Wallah, les gars, c'est sincère. Je la connaissais. Je la croisais à la salle de sport en fait. Et je l'ai connue comme ça. Et du coup, ben là, je lui ai parlé de ça. Toi, tu vas à la salle. Tu sors un peu, etc. Tu penses que tu peux nous ramener d'autres meufs? Ce genre de conseil. Après, franchement, je te mens pas, là c'était un très 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 bon profil. Je sais pas si je pourrais te trouver un profil aussi large d'esprit. Moi je veux que tu me trouves un profil genre quarantaine d'années. Ah, une femme de 40 ans? Ouais. À voir, hein. Je peux, 30, je... 35, 40. 40. Il y a moyen d'avoir une Red Bull parce que vive la Red Bull. Ouais, attends, mais ramène-la tout de suite. Ah, mais t'emmène-la tout de suite. Et bim, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller chercher la meuf tout de suite. Tu veux que j'aille la chercher? Oh, mais les dents. Ça, tu. J'y vais. Ok. Je m'en occupe. Comment tu te sens, frérot? Bien. À l'aise. Ouais. Je vais écouter les conneries qui vont. Quoi? Tu t'appelles comment? Enchanté, Vaiana. Voilà, à peu près ici, comme ça on t'entend bien avec le micro, etc. Okay. La chaise, si tu veux t'asseoir, ok. Oui, bon. Tu peux te tourner. Ok, let's go. Mettez-vous bien. Vaiana, t'as déjà entendu parler de la Safin ou pas? Non. Jamais? Non. T'es pas très je réseau pas, non. Ok, d'accord. Ok, c'est top. T'es pas sur les réseaux? C'est top. Si, mais Instagram. Juste Instagram? Oui. Ok, nickel. Maintenant, je vais vous demander de bien regarder le truc parce que faut pas que vous regardez l'écran. Jouez le jeu au maximum. Je vais poser des questions, voilà. Faut pas regarder. Bon. Toi aussi, hein. Triche pas. Toi aussi, on te regarde. Triche pas. On te regarde, on te voit. Y'a pas que lui, hein. Ouais. Ouh.
Bon, l'équipe. Voilà le profil. J'ai envie. Attends, vous l'avez vu? Trichez pas! Non, mais t'inquiète, y'avait pas. Regarde là-bas, y'avait pas. Mettez-vous de dos au pire, le temps. Juste oui, mets-toi de dos, voilà. Ok. De dos, elle s'est mise. Ah ok, c'est bon, voilà. Voilà, reste comme ça. Ok, les gars. Voilà. Là, vous voyez bien, etc. Là, pendant 5 minutes, là, ils vont parler, ils vont apprendre à se connaître, etc. Petit à petit, et après, on va leur poser des questions. Comme tout à l'heure, ok. C'est bon pour tout le monde, tout est bien. C'est bon, vous pouvez vous placer. Là, vous avez 5 minutes pour. Pourquoi qu'est-ce que tu stresses? T'as des trucs dans la main et tout. Pose. Il m'a l'air bien excité. Ouais, il a agité. Ah, il est hyperactif. Ouais. Bon, faites connaissance. Attends, vient déjà commencer à me traiter de fou. Non. Faites connaissance. Fais du bruit. Comment tu vas, Bayana? Je vais bien et toi? Tu sais comment je m'appelle? Oui. À quel âge, Bayana? 22. 22? Et toi? 21. Tu fais quoi dans la vie? Je suis serveuse dans la restauration. Il se trouve où, le resto? Au cours Saléa. Ok. Dans le vieux, tranquille. Ouais, c'est ça. Tranquille, je dirais pas ça, mais ça se passe. Et toi, mis à part faire la star sur les réseaux, tu fais quoi? Comment ça, je fais la star? Ouais, Titi, Titi. Qui aime bien Châtillien? Qui aime bien Châtillien? Elle veut rentrer dans le Titi, je suis hyper bien. Pas du tout! Ah non! Ça, c'est toi qui l'as dit, moi j'ai jamais dit ça. D'accord, moi je fais la star sur les réseaux. Okay. Tous les jours, un peu tous les jours. Sinon, ça va, tu kiffes, ça te plaît? Ouais, et toi, ça te plaît, serveuse? Ouais, ça me plaît. Ça va, tu rencontres des bonnes personnes? Toujours. On traite bien? Ouais, on traite bien. Vous avez pas demandé de vous clasher. Attends, vous êtes censé faire connaissance? Bah, on fait connaissance, là. Non, tranquille. Là, ok. Non, c'est notre approche. Moi, je trouve ça, c'est une approche plutôt sympathique. C'est une approche quoi, Bayana? J'ai pas aimé que j'ai dit que c'est autre chose que la star sur les réseaux. Non, si la belle avait pris. Non, non, là, va, moi je me vexe pas. Tu es persécuté ou non? Non, moi okay. Non. Moi, elle veut rentrer dans la vanne de force. De force, non, mais non, dans la vanne. Non, mais non, prénom, c'est mieux, prénom. Pour... Ah, j'ai pas le droit de poser des questions approfondies. Ah, question simple. Ouais, si tu veux, tu peux. Mais non, t'as 5 minutes, question. Je peux dire ce que je veux. Ouais, général. De... Oh, bah, t'as les cheveux de quelle couleur? Là, ils sont rouges. Noir, merci de demander. il te répond sans non, tu, mais attends, sans je... t'en vois. Ah, mais t'es long à la détente. Okay. Non, mais y'a rien sur l'écran, vous inquiétez pas. Non, y'a rien. Ils peuvent regarder, y'a rien. Tu fais quelle taille? 1m93, et toi? 58. 1m58, tu fais quel poids? 1m58. Mmh. Un problème? Non, tu peux juste mettre ta main genre au niveau de ta tête, là, sur ça. Ah, c'est bon. C'est bon. Moi, je fais 73. Et toi? 62. 1m58 pour 62 kilos. Tu vas à la salle? Oui. Ça s'entend. Et toi? Ouais. Quelle salle? Basic Fit. Ouais, oui, Basic. Moi, Fitness. La Fitness? Non, parce que moi, je m'en sors. Enfin, j'aime bien Basic parce qu'il n'y a pas trop de meufs et tout. Et... Ouais, ouais. Merde. Là, on est. Ouais, la Fitness, c'est plus pour la muscu. Basic, c'est pour les personnes. Voilà, tu me traites de bidon trop... là? Non, c'est parce que je suis en train de dire et t'es régulier. Attends, t'es quelqu'un de régulier? Juste retournez-vous deux secondes. Ouais, dis-moi, retourne. Est-ce que t'es quelqu'un de régulier? Allez, go, pas de bug. C'est bon, y'a rien? Ok, bon, là, je pense qu'on va commencer à vous poser des questions. Non, on était bien là. Tu t'appelles vraiment Bayana? Allez, bah, c'est bien. Oui, Bayana. Et toi, c'est ton vrai prénom? Ouais, c'est mon vrai prénom. Qu'est-ce qu'à l'origine? J'allais le dire. Je suis tunisien et toi? Espagnol et polonaise. Espagnol et polonaise? Okay. Sacré mélange, hein. C'est un mélange plutôt atypique et plutôt sympathique, moi je trouve. Plutôt cocktail explosif. Cocktail explosif, ouais. Je peux te poser une question un peu indiscrète? Dis-moi. T'es de quelle confession religieuse? Je gère ma religion? Ouais. Musulmane. Bon point. Moi aussi. Ouais, je pense que je savais déjà. Non, ça se peut. Dis-moi, tu regardes les animés? Oui, je regarde les animés. Tu regardes les animés? Oui. Est-ce que ton animé préféré c'est One Piece? Je lève le rideau maintenant. One Piece, mais après c'est vrai que Demon Slayer ou Hunter, c'est pas mal aussi. Hunter, c'est pas grave. C'est bien. Je prends. Ouais, Hunter, je prends. À part les animés, t'aimes quoi? L'instant présent. Et toi? Pourquoi cette réponse de merde? C'est pas une réponse de merde. Une réponse philosophique. Ah ok, bah moi j'aime bien le futur. Ok, tu vas où dans 10 ans? On commence à faire notre rôle là. Non, mais je rétorque dans le jeu. Oui, c'est moi qui prends le relais. On a pas fini, on peut discuter ou? Pose
C'est bon, allez, 5 minutes, Non, 5 minutes, c'est trop court pour apprendre à se coller. Ça y est. Non, Vaiana. Question, t'inquiète, après de. J'en perds le contrôle. Voilà. Toi, et maintenant, c'est bon, frère. Là, c'est trop. Tu mets au chômage. C'est bon, voilà. Ouais, j'ai pas le droit de parler et tout, apprendre à la connaître. Si, t'inquiète, tu vas bien la connaître. Hein. Je peux poser une dernière question ou... Bah allez, dernière. Vas-y, dernière. Ok. T'as les yeux de quelle couleur? Vert. Non. Ah, vrai. Ça dépend. Vert et marron. Ouais, non, attends. Ah, okay. Clair. Ah, comme moi. Non, j'ai comme moi, le truc. Comme moi. En vrai, ils sont marrons et au soleil, ils sont... Ouais, comme moi, Sarma. Comme toi. Est-ce que c'est, ils sont comme moi? Ouais, tu vois, regarde-moi. Ouais, mais la regarde pas trop, ça prend une patate dedans. Est-ce que c'est déjà amour? Comme ça ou quoi? Tu vois? Ouais, c'est la comme moi, genre. À peu près. À peu près comme toi, ouais. Ok. T'es habillé comment, Vaiana? Attends, j'ai un... Écoute, ça va me montrer quelle personne elle est. Ok, j'ai un pantalon large. Comment? J'ai un pantalon large. Ouais. Un haut noir, simple, un gilet, paire de baskets, tout simple. Ok. Et toi? Moi, costard cravate et des TN. Ok. Je peux pas marcher sur les TN, tu les vois. T'aimes bien? Vas-y, rapproche un peu, je les vois pas bien. Tu vois pas les TN encore? Usé, les TN, usé. Ouais. Là, c'est bon, là? Ouais, c'est bon. Je fais un peu la peinture avec. C'est quoi ta couleur de pied? 43. Ok. Et toi? 37. Ça va. Attends, 1m58. Ça va, ouais, 1m58, ça va. Bon, bah, vas-y, vous pouvez. Mais moi, je te connais pas, t'es toujours. Bah, tant mieux. En fait, c'est le but, c'est apprendre à se connaître. Non, mais tu ressembles à quoi physiquement? Ah, je ressemble à quoi physiquement? Bah, non, parce que j'ai une question qui va être intéressante. Donc ouais, je fais 1m93, j'ai les yeux clairs. Okay, allez, stop. Ah, d'accord, c'est bon. Ça va. Que pensez-vous du mariage? J'aime bien la poser en premier, ça fixe les bases. Là, c'est. Et on va commencer par. Si. Non, pourquoi moi? Parce que pourquoi tu veux la mettre. Non, moi, vas-y, je vais t'aider. Bah, y'en a. Pourquoi tu veux la mettre mal à l'aise? Ça se peut, c'est pas qu'on répond. Voilà. Ça se peut, c'est pas répondre. Non, mais de toute façon, les règles, c'est les règles. Ah, Rébu ici. Juste un tout petit peu plus fort. Ok, ça marche. Okay. Donc pour moi, le mariage, déjà, je suis pas. C'est pas que je suis contre, mais je suis pas vraiment pour non plus, parce que pour moi, c'est pas ce qui fait que. En gros, les deux personnes. Sont liées. Comment on dit? Ouais, voilà, enfin, pour moi, ça veut strictement rien dire. D'accord. Donc c'est même pas un débat sur lequel je m'étale. Pour toi, c'est pas inaccompli. Ouais, c'est pas parce qu'en fait, on va aller se marier que c'est un. Ça prouve on va accomplir, quelque chose. Voilà, en gros. J'ai la même manière de penser, sauf que moi, je pense que d'abord, il faut réussir dans le milieu professionnel et ensuite se marier. Mais je trouve que le mariage, c'est quand même un petit peu important, dans le sens où bah, faut avoir une famille, il faut laisser une trace ici. Traçabilité. Ah bah attention, il y a mariage et faire des enfants, faire une famille, etc. C'est deux choses différentes. Tu peux te mettre en couple et faire des enfants sans te marier. Oui. Ouais, et t'as laissé quand même une trace. Mais c'est pas trop halal. Oui, non, après oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc, religieusement parlant, tu es obligé de passer par là. Voilà, on est obligé de passer par là. Donc, religieusement parlant, par rapport à ta religion, c'est ce que tu affirmes. C'est quoi ta question? Ma question, c'est Vaiana, est-ce que tu fumes? Oui. Safine, bah, repose la question. Tu fumes toi? Non. Tu fumes beaucoup? Non, ça va. Tu fumes quoi? Des globes. Tu as la marque aussi? Ouais, tu fumes quoi comme clope? Philippe Maurice. Elle aurait pu te dire les camels. Ouais, c'est vrai, il y avait les camels. Il y avait les camels, c'est vrai. Elle aurait pu te dire ça là, c'est chaud. Tu fumes depuis longtemps? Ouais, pas mal de temps. Et tu peux arrêter, genre? Oui. Bah... Parce que, en fait, je t'explique, je suis un garçon, je supporte pas du tout l'odeur de la cigarette, ça me fait presque vomir. C'est vraiment un truc. Bah alors, ok, on bifurque alors. On bifurque sur une question. Est-ce que par amour, tu pourrais arrêter de fumer? Non, j'ai une question encore mieux. C'est un putain, mais. Non! Non? Bah non, je vais pas arrêter de fumer par amour. D'accord. Il accepte et c'est tout, c'est comme ça. Ah, okay. Tu vas faire des TP au balcon, je te mens pas. Où te vois-tu dans 10 ans? Ça fait dans combien? Dans 10 ans, je me vois où? Je me vois. Ton idéal? Mon idéal? Ouais, c'est ton idéal. Ouais. En vrai, moi, dans ma tête. Ah, là, je suis bien. tu veux la bien? Ah, je suis bien. Génie, tu te débrouilles. Ah, là, dans 2 secondes, je suis bien. J'ai trouvé un truc. Bah, tiens, tu veux ça? Non, mais toi, comment tu. Oh, je suis bien. On va aller chercher un bon truc. Chasse! On va y aller, t'es mort. On va y aller, c'est moi qui gère. Vaiana. Quoi? T'es mort tes baskets, arrête de me faire la nerve. Ouais, tranquille. Oh. Viens, il nous balance. Ok. Dans 10 ans, moi, honnêtement, je me vois dans une maison qui sera la mienne. Et certes, bon, peut-être
peut-être pas avec une femme, ou peut-être pas avec une famille, mais avec la famille que j'ai déjà. Inch'Allah. D'accord. Okay. Et toi? Moi, je me vois... Enfin, je vais te casser les couilles. T'arrives à trop de rester un peu, on te voit pas dans la caméra. Merci. Ok. Déjà, qu'est-ce que tu en penses de sa réponse, là, déjà? Ça passe. Mais parce que là, il y a un truc, là. Là, il y a quelque chose à décerner. Mm. Côté famille. Il veut finir avec sa famille. Ça veut dire que demain, t'es avec quelqu'un, t'es en couple, t'es avec lui, il y a la famille qui est là. Elle fera partie de la famille. Ouais, je vois pas. Oui, non, mais... non, mais c'est à savoir. C'est cool. Demain, t'as une maison. Dans 10 ans, t'as une maison. Mm. Si tu peux mettre bien ta famille, tu vas les mettre bien. Oui. Ils vont être à côté avec ta femme. Peut-être qu'il sera mais là. Ma femme, c'est ma famille. Voilà. Oui, oui, non, bien sûr. Mais ta femme sera avec ta famille dans la maison. Ou autre. Ouais, ouais. Après, il y a des femmes qui n'acceptent pas. Bah après, franchement, ça peut être un peu contraignant dans le sens où, quand même, enfin. Normalement, tu vois, tu fais ta propre famille, on va dire, quand tu trouves ta femme. Et après, ben voilà, tu fais des enfants. Oh. Je peux passer les derniers instants avec ma famille ou... Non, mais tu fais ce que tu veux, mais après, à un moment donné, tu vois, il y a des choix à faire et s'il faut, ta femme, elle ne voudra pas forcément habiter avec ta famille. Ça peut se comprendre. Ouais, ça se comprend. Je peux te faire du pied. Vas-y, arrête tes pieds là. Attends, fais du pied ou je fais... Oh là là. Ah, ça va, un peu... C'est tranquille, ça. Oh. Ça va. Oui. Du coup, j'arrive à la journée. C'est bon, tout le monde a répondu? Non, moi je me vois businesswoman, riche, je construis ma propre maison. Ok. Businesswoman. C'est une bonne vision. Ouais. Sinon quoi? Okay. Non, mais attends, businesswoman, ça veut dire que quand même il y a quoi? Non, moi, t'as un projet, dans... tu fais. Ben, pour en dehors de Serveuse, tu fais autre chose? T'es en train de travailler quelque chose? Je me prononce pas parce que je préfère rester. Anonyme par rapport à ça? Ouais. Je veux pas qu'on te mette l'œil. Voilà, c'est ça. Pas mal. Ok, ok. Bon, généralement, à quelle heure? Tu dors le soir? Pour deux, donc on va commencer par toi, Safi. Généralement, Ces derniers jours? En fait, ça dépend. Généralement. Ça dépend. Le plus souvent. Ça dépend de ce qu'on fait le soir, mais je dors à peu près vers 1h du soir. 1h du matin, à peu près? Moi, j'ai des périodes où je vais. C'est général, hein, c'est général. C'est-à-dire que le plus souvent. Ouais, mais c'est des périodes. Moi, ça m'arrive de faire des nuits blanches. Franchement, il y a des périodes, je peux pas dire ouais, je me couche tôt ou je me couche tard, parce que franchement, ça dépend si je travaille tôt, si je travaille toute la journée. Merci. Si j'ai travaillé 14 heures par jour, c'est sûr que je vais rentrer à 19h, je suis déjà en train de dormir. D'accord. Tu joues aux jeux vidéo? Avant, oui, je jouais à Call of. Okay. Et à GTA aussi? Non, mais GTA, j'ai pas joué, question mission. Alors, tu savais jouer à Call of? Avec la police et tout. Ok. Elle est debout là? Elle aime bien la course poursuite avec la police. Ça, je l'entends en haut. Ouais. Et pourquoi elle est debout? Elle a envie de se mettre debout. Elle a une chaise? Oui. Okay. Je crois qu'elle aime bien un peu les bad boys. Ça, j'aime. Où m'inviterais-tu? Notre premier rendez-vous. Donc, je commence. Du coup, c'est pour le second, parce que le premier il est là, c'est sur le live de JP. Et non, mais vrai rendez-vous. En vrai, pour moi, c'est des trucs simples. C'est un tour en voiture, on va manger et fin. C'est-à-dire, tu vas manger où? Fin. Tu vas prendre un tacos à livrer ou. Non, tu vas t'arrêter au resto. Resto. Mais dis les choses, frérot. Parce que monstre bros. Au calage. Si tu dis pas. Triple monstre. Sister, on va prendre à manger, on va aller à une vue et c'est tout. C'est un bon bail quand même, j'aurais les vues. C'est pareil. Ouais. C'est un bon bail, les vues. Vue de nuit. Ouais, vue de nuit. Ouais, en hauteur. Ouais, dans la voiture. Sombre. Triple monstre. Et du coup, toi alors? Ouais, c'est pareil, j'aurais dit la même chose. Ouais, tacos, kebab. Bah, peut-être pas tacos ni kebab. Mmh. Mais un petit plat. Un petit plat emporté. Un truc plus sain, tu vois. Enfin, un truc, un petit plat emporté. C'est-à-dire? Je sais pas, moi. Ouais, vraiment, à la limite, t'as les pizzas, si tu veux. Je dépense absolument rien. Ok. Je dis pas que je suis un rat, je dis juste que je n'achète pas des choses pour rien. Et que ça va sûrement être utile. Donc, suite à un rendez-vous, ça serait utile que tu payes le resto. C'est évident. Hey, je t'envoie des... Oui, ça c'est bien. Des petits coups de pouce. Deuxième rendez-vous, on fait 50-50, je sais pas. Mais moi, je suis un panier percé. moi, je garde pas l'argent, je dépense. T'es dépensière? Et je suis pas radine avec moi-même, ça veut dire que si je veux quelque chose, je me l'achète automatiquement, je vais pas me priver. Elle est forte celle-là. Je suis pas radine avec moi-même. Ça veut dire moi, magnifique. Je cède à mes propres caprices. Je veux quelque chose, je me l'achète. Du coup, c'est quoi? Tu dépenses beaucoup dans quoi? Je dépense beaucoup d'argent. Dans quoi? Dans plus de les habits, les. Ouais, les vestimentaires. Les habits, la nourriture, les vêtements de sport.
des commandes et des conneries pour tester. Et Shane, hein. Qu'est-ce que tu regardes en premier chez, chez un homme ou une femme? On va commencer par toi. Moi? Ouais. On peut dire plusieurs trucs. Le premier truc. Ah, le premier truc? Ouais. Les dents. Ok, c'est important. Ouais. La dentition. L'hygiène. Heureusement que t'es pas passé avec l'autre. Pardon, en l'occurrence, JP, il en a pas. Voilà. Comme ça, au moins, c'est fait. Mais regardez autre chose. Il va travailler ça. Et toi, Safin? Moi, c'est la tête en général. Le visage en général. L'hygiène, c'est pas important pour toi? Y'a pas un détail plus que le une visage. Une meuf magnifique, tu la vois magnifique avec des chicots mortes. Le visage en général, c'est vrai que si elle a un trou dans la dent. Ah, mais c'est... Pas moi! Pas moi! Et tu veux que je regarde quoi? Mon cul? C'est ça? Je sais pas, tu regardes quoi en premier chez une femme? Je te parle sérieux sur le visage? Ouais, bah normal, tout le monde, mais genre, oui. C'est le truc que tu vas le plus regarder. Mais son visage en entier, genre comment il est, son nez, ses yeux, tout. C'est vrai que un le visage, ensemble. C'est important. C'est vrai que c'est un ensemble, important. C'est en général. C'est de la triche, je dirais. Non, mais non, ça compte pas. Je tire son épaule. Mais non, mais ça compte pas. C'est un truc. C'est pas le visage dans l'ensemble. Tout le monde regarde le visage dans l'ensemble en soi. Il y a juste le détail. Il a dit le sourire. Parce que j'aime bien faire rire. Si vraiment t'as un sourire moche, bah j'aimerais pas trop te faire rire. Ok, c'est une bonne réponse. C'est un lien, je sais pas. Bah, tu vas aller au Japon. Ouais. Oh, t'as vu ça? Franchement. Oh, c'est abusé. Ouais, c'est bien là-bas, j'aimerais bien aller aussi. Donc toi, c'est ta destination vraiment... Franchement, s'il part là-bas, je vais avec lui, moi. Vraiment bon, direct. Mais j'allais t'inviter. J'allais pas commencer. Et toi, ton... Bah, moi, je kiffe là-bas aussi. Je suis pas... Non, mais numéro 1. C'est pas la sortie du Japon, ça y est, toi, c'est le Japon. Toi, depuis... Ça pose un problème. Mais non, depuis des lustres, tu sais que tu voulais aller quelque part. Et là, t'as entendu Japon, tu te dis, ouais, c'est franchement, bon, c'est Japon. Tahiti, style. Tu vois qu'il y a mais, quelque chose. Mais dans la folie, tu vois, c'est vrai que le Japon, c'est pas mal. C'est bien aussi, c'est vrai. Si vous êtes en couple, vous êtes marié et qu'un de vous a envie d'une relation, comment t'approches le truc personne? Comment en fait tu vas te. Tu vas montrer que t'as envie à la personne qui est à côté de toi, tu vois. J'ai rien compris, je suis en mariage. En fait, avec non, t'es en couple, t'es en couple avec ta meuf. Laquelle de meuf? Ta meuf, t'as une n'importe laquelle, qui n'est pas celle-là. Qu'importe. Oui, ok. Ouais, oui, et genre, j'ai envie de. T'es en couple, t'es en couple et tu as envie de coucher avec elle. Avec comment, ma meuf? Oui, comment tu vas lui montrer? JP, là, je lui fais des bisous dans le cou. Non, l'approche en fait, l'approche. Tu sais, JP, là, tout le monde. Je vais pas lui montrer, mais genre, je vais lui faire comprendre. Mais comment il a dit JP, des caresses, bisous, etc. Et dans le cou, et genre, en fait, faut lui donner envie, c'est tout. Oui, mais c'est ce qu'on te demande. C'est ouais, ben, comment gros, tu c'est vas lui donner envie. Comment tu vas approcher en fait. Comment tu vas procéder le truc, tu vois. Donc bisous dans le cou, caresses. Donc là, limite, tu dois te faire un scénario dans ta tête, en gros, tu vois. Donc, ça, comment c'est tu vas faire pour. Ok, ouais. Et montrer. Toi les filles, c'est une colle. Comment ça, une colle? Franchement. Et nous, l'autre, elle était franco. Elle était franco. Elle est venue en Amérique. C'est quoi cette question? Non. Tu ferais rien? Tu montrerais pas? C'est humain d'avoir envie. Ouais, mais non, je montrerais pas. Tu montrerais pas, d'accord. Tu resterais de marbre. Sur toi, les musiques de One Piece, par exemple? Ouais, non. Vas-y, chante-moi un petit refrain, là, vite ouais, fait. Ouais, ne fais pas chauffer. Vas-y, chante. Ne fais pas chauffer. Vas-y, chante. Ça va, yo. Assieds-toi, s'il te plaît. Ok. Ah, non, dans la voiture, j'écoute du Naruto. Ouais, Naruto. Ouais. Laquelle de musique de Naruto? Bah, tu connais Bluebird. Ouais, j'allais dire Bluebird. Bluebird. Tu connais Bluebird? Chante un petit peu. Je veux bien te dire de pas faire chauffer. Pas chauffer. Allez. Mais jamais la vie, je chante. Allez, ma ça voix. Marche, t'as honte. Et toi, ouais. Et toi, t'écoutes quoi alors? Moi, j'écoute musique américaine. Chante un peu. The Weeknd. Ah, tu vois. Je chante The Weeknd. Elle non plus. The Weeknd, moi, y'a quoi en musique The Weeknd? Pourquoi c'est autre chose? Moi, j'en ai une. Amitié, fille, garçon. J'y crois pas. Moi, j'y crois. Je me suis tapé un débat tout à l'heure, donc... Essayez de... Pourquoi j'y crois pas? Alors, pourquoi tu crois pas? Pourquoi j'y crois pas? Parce que, que ce soit la fille ou le garçon, il y en a sûrement un des deux à la fin qui va ressentir de l'attirance envers l'autre. Si les deux ne se plaisent pas, je vois pas. Si les deux se plaisent pas, mais c'est rare. C'est rare. C'est très rare. Que les deux se plaisent pas. Donc qui se plaisent pas physiquement, qui pourrait se plaire, mais qui pourrait se plaire amicalement. Ouais, mais à force, avec le temps, la personne est plaie par son caractère.
plus par sur son physique. Non, pour moi, si deux personnes ne se plaisent pas, ça peut rester sur une amitié, tout simplement. Bah oui, mais ta façon de penser. Ok. T'as pas d'autres rétorquements? Ben, moi, je t'ai déjà répondu. Ok. Donc, pour toi, l'amitié fille-garçon, ça peut exister? Ouais, ça peut exister, c'est pas souvent, voilà, mais donc, t'es d'accord avec moi? Non, c'est parce que la plupart du temps, faut juste trouver les bonnes personnes. Bonne... Si tu penses que t'es ami et fille garçon avec tout le monde, non, ça peut pas aller. Ok. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Genre t'as une amie. Enfin, j'ai une amie, j'aurais toi un ami. Bah, tu peux même en avoir plusieurs, mais pas toute la terre entière. C'est pas à chaque fois que tu vas rester avec une personne, ben voilà, lui c'est mon collègue ou elle c'est ma collègue. Ouais. Faut que les deux ils se plaisent pas et faut qu'ils s'entendent bien, mais seulement en tant qu'amis. Ok, alors question, est-ce que t'as un meilleur ami ou un ami? Oui. D'accord. T'en as combien? Un ou plusieurs? Non, un seul. Il va à la salle? Bah non, pas vraiment. Du coup, combien d'années pour que tu te dises que c'est vraiment un ami? T'as fallu combien d'années pour que tu le vois? Comment ça s'est passé au fait? Bah comment ça s'est passé? On était dans le même collège. D'accord. Et du collège, donc, en fait... On entraînait ensemble et tout, et puis c'est resté comme ça. Donc lui, il me raconte ses trucs, je raconte mes trucs et tout. Tu connais? Bah si, c'est toi. Non, mais... Oh, non. Ouais, quoi, oh, oh le câlin, voilà. Oui, non, mais meuf. Ah, mais t'as dit meilleur ami. Une meilleure amie. Ok. Redresse. Est-ce qu'on peut passer? Est-ce qu'on peut passer vite fait sur une petite session donation? Vas-y. Ok. Tu sais ce que c'est? T'as un peu entendu tout à l'heure. C'est les dons. C'est les gens qui vont dire des dingueries, sûrement. Allez, ça marche. Ok. Voilà. Oh, Barbara, vas-y, là, viens chucher la. Il y a une tension dans l'air. Entre ces deux-là, il va y avoir du sexe hardcore. Femelle sache que sa fine est un véritable animal en rue qui n'a eu que le cul de la vieille Jojo en guise d'abreuvoir. Demain c'est la fin du monde. Ouais. Que ferais-tu avec elle? Avec elle? Oui, avec elle. Ah. Ouais, je suis malin. Franchement t'es malin. Parce que la question que j'ai entendue tout à l'heure c'était pas du tout avec elle. Mais oui. Mais ça là, change, on peut pas, là, on peut pas tout. On peut pas faire toujours les mêmes choses. Alors, que ferais-tu avec elle? Demain c'est la fin du monde. Faites quoi tous les deux? La vérité. La vérité. Quoi? La vraie vérité. Ouais, d'accord, rien à la vérité. Attends, il y a un don. Attends. Oh ouais. Oh, t'attends ce que je fais là sur toi, Bayana. Vas-y, regarde. Oh ouais, Bayana. Non, vas-y, attends, on reprend. Fin du monde. Demain c'est la fin. Tu commences, c'est avec elle. Non, si tu commences. Non, tu commences. C'est moi qui décide. C'est mes rêves. Tu commences. Mais c'est lui qui a posé la question. Hein. Oui, et ben on décide. Vas-y, allez. On t'attend. Tu fais quoi? Putain, je sais pas. Oh, demain tout explose. Finito pipo. Oui, finito pipo, mais je dois m'embarquer lui avec moi. Quoi. Il est avec toi. Avec on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On fait n'importe quoi. C'est-à-dire? On fait toutes les choses illégales, on les fait. Oh! Toutes les choses illégales. Attends, mais ça, vous pensez trop mal, ça se peut, elle va les braquer. C'est ouais, c'est pas, y'a pas de soucis. C'est fou. Ouais. Non. Ça se peut, elle peut vivre le Bonnie and Clyde. À toi son... Chose illégale, première chose, plus facile à faire, voilà. Bah, moi, je vais aller faire des trucs légaux. Tu peux écouter, s'il te plaît? Oui, ok. Allez, go. Oh. Alors là, tu lui fais écouter quoi? Là, tu joues du piano. Ouais. Je joue un morceau de piano. Allez, vas-y. Je donne une idée. T'as dit quoi? Il a regardé, mais y a pas la caméra. Alors, c'est quoi? C'est le truc dans la Casa des Papel. Y'a pas la caméra, y'a que le chat, les amis. C'est ça. C'est ça? Ouais. Il est fort quand même. Merci. Talent caché. Fallait le sortir avant. Il a joué, c'était incroyable. S'il te plaît, dis-le. Moi, je suis fan des personnes qui savent jouer au piano. Je peux vite tomber, amoureuse. Sur ma mère, on va à la gare. Là, on va à la gare, il y a un piano, il est toujours posé là-bas. Je vais jouer 2-3 morceaux. Il est très très fort. C'est vrai, ouais, elle a commencé à un peu enlever le gilet. Je dis ça, je dis rien. Mais j'ai chaud, j'ai chaud. Tu lui as donné chaud, je crois que le piano, tu savais. Ouais, là, j'enlève tout. Ça y est, elle a tombé. Elle a tombé le gilet, je te dis. Elle a tombé le gilet, le piano, 2 notes, c'est fini. Tu savais, là, c'est juste ça la c'est... Ouais, elle a dit, c'est qu'un aperçu. Oh. Tu sais comment tu fais chauffer toi aussi? Oh. Moi je fais chauffer, là, ça va! Ben yo, yo, yo! On re-rentre dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet. Ouais, sérieux, là. Allez. C'est...
Là, actuellement, je te mens pas, encore 3-4 notes. Attends! Ah, là, je rigole, je rigole. Allez, c'est bon, si vous assistez. C'est bon, 3-4 notes, c'est rien. 3, je rigole, notes. Je rigole. Qu'est-ce que je pourrais jouer? Je sais pas, moi. Non, mais c'est bon, tu me joueras plus tard. Voilà. Là, on. Oh, calme, on se calme. Arrêtez de crier! Tout le monde se calme. Attention, attention, c'est moi. C'est moi le chef. Ok, c'est bon. Allez, vas-y, go, go, go. Petite question. C'est le week-end. Je te propose balade en forêt, shopping ou barbecue avec des amis. Un des trois obligés. Ouais, ouais. Tu commences. Qu'est-ce que tu proposes, toi? Écoute, attends, sérieux, je t'arrête 2 secondes. Attends. Avec tout ce que t'as entendu. D'accord. Il y a un bon bail. Mais bien sûr, je sais ce qu'elle veut, frère. Mais c'est pas ça la question. Arrête de rigoler, je sais très bien ce que tu veux. Mais la question, c'est pas ça. C'est est-ce que la semaine, vu qu'on s'est vu ou on s'est pas vu ensemble tout mais seul. Mais c'est bon, on s'en fout de ça. Ok, c'est on va faire le shopping, allez. Je vais trop rester avec moi, je crois. Putain, ouais, il a loupé le truc. Moi. Pff, vas-y, frère. Toi, pas qu'elle casse. Balade en forêt, bien sûr. Balade en forêt. Mougli. Bon, et toi alors? Je fais du shopping et je termine avec un barbecue avec des amis. Ah, bien joué, c'est pas mal ça. Pas mal. Elle a dit que c'était. Shopping plus après barbecue, tranquille, bonne ambiance. Ok. Ah, mais il y a une question que. Enfin, il y a un truc que je t'ai pas dit. Dis-moi. J'ai les cheveux longs. Ok, ils sont bouclés? Non. T'aimes bien les mecs aux cheveux longs? Bah. Oula. Ouais, attends, souffle. Ça souffle! Ça dépend, hein. S'il faut, ça lui va bien. Ça va bien, oui. Ouais, mais ils sont longs à quel niveau? Ils sont non mais en fait ils sont longs mais genre je me balade pas avec dehors comme un animal, genre tu ils sont quoi, là. Tu fais chignon? Et ouais, je fais chignon. Beau gosse. Je fais chignon soit au-dessus, soit derrière la tête, sinon quoi, je fais. Tu fais quoi? Tu mets une casquette aussi? Non, je mets pas de casquette, mais calme-toi. Ouais, non mais attends, j'essaye de savoir un peu physiquement. Bah pose-moi la question et je te dis. Bah vas-y, t'es comment physiquement? Physiquement, bah j'ai les cheveux longs et je les attache. OK. Je les laisse jamais se balader, je mets jamais de casquette. C'est un style après, c'est un. C'est pas mal. C'est un style. Moi, tu verras une fois que le rideau sera levé. Donc, question. Combien as-tu de... Dex. Ouais, Dex, histoire sérieuse. Ok, juste sérieux, pas de flirt. Ouais, vite fait. Ouais. Truc. Non, j'ai, vraiment, en vrai j'ai relation. J'ai une seule histoire. Ouais. Une seule histoire sérieuse. Ouais. Ok, ça a duré combien de temps? Ça a duré 2 ans. Il ment pas. Ok, c'était il y a combien de temps? C'était il y a longtemps, il y a 2 ans. Ok. Okay. Moi, et toi? Je pense que j'ai eu combien de relations sérieuses? Non, attends. N'envoie pas des questions réponses. Tu dois répondre et après. Ok, ben moi j'ai eu une seule relation, elle a duré 7 ans. Ah oui! T'as 23 ans? 22. Ah 22. Oui! Et tu l'as rencontré à quel âge? 14. Il est où là? Là, il est. Là. Il est où? Je sais pas où il est, je m'en fous. Bonne réponse. Avec quelle célébrité trouves-tu que tu as le plus de ressemblances? Commence. Oh là là, je sais pas. Si, réfléchis. Je suis en train de réfléchir. On t'a déjà dit que tu ressembles à quelqu'un, c'est obligé. On t'a jamais dit, oh putain, tu ressembles à quelqu'un. Non. Ah, t'as un air de quelqu'un. Que je ressemble à quelqu'un, oui, mais pas, qui n'est pas connu. Ouais, bah c'est pas grave. Non, c'est juste quelqu'un que personne connaît, quoi. Non, quelqu'un connu. Ah non, bah c'est qui pour toi la personne connue qui on va dire qui te ressemble? Pas exactement, mais qui te ressemble le plus. Franchement, je sais pas. Même télé-réalité ou je sais pas. Ouais, voilà, moi je pensais que t'étais. Ouais, genre, moi quand tu me dis personne connue, je te parle pas des gens de télé, je te parle vraiment voilà, des personnes. Voilà, c'est ça, c'est pour ça que je t'ai dit c'est si pas tu, grave. Si tu vois des gens de télé, ben je, oui, je peux te dire, ouais, j'ai une petite ressemblance à Mila vite fait, mais sinon. À qui? Attends, Félicia? Ouais, tu ressembles un peu à Félicia, non? On te l'a jamais Mila, dit. Félicia, non, je te demande. Non, on t'a pas dit. On t'a dit plutôt Mila que Félicia? Ouais, plutôt Mila que Félicia. Plutôt Mila mais que vraiment Félicia. Léger, hein. Ouais, pas, léger, oui. Vraiment léger. Ouais, ouais, cherche, léger. Niveau léger. Visage, léger, les traits et tout ça. Oui, oui, léger. C'est le bon. Assis-toi. En fait, j'ai capté. Elle sera toujours là. Assis-toi. Assis-toi. C'est incroyable. Maintenant, Safine. À qui tu ressembles? À Ousmane Dembélé. Arrête. Arrête de rigoler, c'est vrai. Oui, mais. Ça, je regardais sur internet. Non, attends. À qui tu ressembles pour Ousmane Dembélé. Non. Rien à voir. Mais c'est non, c'est lui qui ressemble à moi à Ousmane Dembélé. Moi, je ressemble à Ousmane Dembélé en blanc. Ouais, bah, ok, mais d'accord. Sinon, t'as Dinaz. Dinaz, un chic. Ah, chic un petit peu. Ouais.
T'inquiète, t'es plus bégé que lui. T'es plus bégé, personnellement. Stop. Après lui, il est plus costaud que toi. Tu vois à quoi il ressemble à Tic? Ouais. Et l'autre, comment ça s'appelle? Au moins, un cheval. Tu sais ce que c'est, un cheval? Un beau canasson. Est-ce que c'est ton style de mec, Tic? Les chevaux, est-ce que c'est ton style de mec? Franchement, il est mignon, mais. Voilà, c'est pas. Tu penses quoi des chevaux? Fou quoi. Et toi, j'ai une question, est-ce que c'est ton style de meuf Félicia, du coup, vu qu'elle ressemble un peu près? Ouais. Okay. Bah, elle a 10 000 là. Mila, bah, toi, tu es plus Félicia. C'est la même. Moi, je pensais. Bah, les deux de base, elles se ressemblent déjà. Ouais, voilà, de base, c'est ça. En fait. Juste pensais... un petit mélange, tu vois, et mon collègue. Vu que Félicia, elle est plus bronzée, je trouve. Et toi, t'as un côté plus bronzé, je me suis dit Félicia. Mais après, si tu me dis Mila. Mais Mila aussi, elle est bronzée. Moins. Oui, je connais. La moins ce côté turc. Ouais, voilà. Qu'est-ce que tu penses, maître, qui va t'avantager physiquement pour lui plaire le mieux possible? Je sors la robe rouge. Ah oh, la robe rouge. Techniquement, elle est comment, ouais. Elle est comment ta robe rouge? Elle est longue, fendue. Courte? Ouais, fendue. Non, je préfère plus les robes longues, ça fait ouais. Plus élégant. Ouvert sur les cuisses, sur le ouais, côté ou pas? Ouais, sur une, ouais. Après, j'ai plus ici un peu échancré. D'accord, un peu ouvert. Échancré. Décolleté, quoi. D'accord, un peu décolleté, quoi. Ouais, mais pas trop. Ouais. Donu ouais, ou pas? Ouais, donu, c'est pas mal. Pas trop. Ok, donc en fait, c'est plus robe été. Ouais. Été, soirée. Ouais. Soirée chicos, été. Talon ou pas talon? Ouais. Normalement talon. Hein. Ouais, une petite paire de mules. Voilà. Ça fait pas trop, pas talon trop aiguille, mais une petite paire de mules. Ouais. Monter sur du 5 pouces. 5 pouces. Ok, pas mal. 5 voilà, pouces. Après, pas je pas peux faire aussi des dates pyjama. Hein. Ouais, non, oui, mais là, oui, c'est bon. Je peux aussi séduire en pyjama, oui, moi. Oui, voilà. Non, mais nous fera pas. Là, on est dans le premier rendez-vous. Ça file. Non, là, c'est tu mets paquet. Non, premier rendez-vous pour séduire. Parce que sinon, le premier date, tu vas pas te mettre en robe. Hein. Faut séduire. Non, tu mets paquet. Paquet, c'est la robe voilà, rouge. Voilà, le paquet, la robe rouge en général, paquet, ça fait vibrer. Ok, quoi. Paquet, sur Bette Lacoste. Ne sors pas les TN parce que, franchement. Ouais, mais reste tranquille. Éliminatoire. Ouais, mais reste tranquille. Moi, je suis trop fidèle à moi-même. C'est-à-dire que soit elle me prend comme je suis, soit elle me prend pas. C'est-à-dire c'est non, pas... mais paquet après. Non, mais voilà, là, la question, c'est tu te mets comment? C'est-à-dire que là, c'est pas tu restes fidèle à toi-même, c'est tu veux faire le max pour que elle est là. Ouais, tu la veux, tu vois. Ouais. Un petit pull, un jean et des baskets. Souvent. D'accord. Le pull, c'est quoi? C'est des marques sélectionnées ou... Pas forcément. D'accord. Tu peux mettre pas un pull... Te montrer, genre, un truc simple. En fait, ça filme. Je suis trop simple. Il s'habille jamais, genre classe un peu beau gosse. Mais quand il s'habille classe, beau gosse, elle va bien de fou. Ouais, bah Yana, sache que lui, il a dit que t'allais voir dès que le rideau il sera levé. Bah, moi c'est pas le rideau, moi c'est le rhino, il est levé, la grosse corne de rhinocéros là. Vas-y, j'attends là. Ouais, t'en es un fou, lui, c'est que j'attends. Il est trop chaud, lui. C'est l'heure de la révélation. C'est l'heure de la révélation. On va les révéler. Je te laisse aller de l'autre. Allez, vas-y. Levez-vous. Levez-vous. Tu vois ma tête là? Non. Regarde. Colle ta tête là. Elle est non, elle est là ma tête, wesh, là, elle est là. Ok, là, ah, ma bouche. Ouais. Mets un coup dans ma bouche. Attends. Oh. Ça monte, là tu vas commencer à l'avoir. Tu vas commencer à l'avoir. Oh putain. Ouais, il est grand. Ouais. Salut. Ah, les deux sont excitants quand même. Oh. Ok, bah asseyez-vous. Ça va. Plaisir. Elle impression ressemble, elle ressemble pas impression du tout, elle ressemble pas du tout à Félicia ni à Mila. D'accord, ok. Ok. Merci. Impression, tu commences. Bonne ou mauvaise impression? Assez bonne impression. Ah, assez bonne. Ils vont bien les cheveux longs? Bah là, en soi, ils sont attachés. C'est comme si il avait les cheveux courts en fait. Ouais. Ça va, tu peux pas me faire plaquer. Ça va, tu gères. Limite, je crois. Les dents, nickel. Beau gosse. Ah ouais. C'est ce que tu regardes aussi. Beau gosse. Non, mais ça va, les dents sont... Nickel. Il en manque pas, Emile. Non, ouais, il en manque zéro. Les yeux, par contre, toi? T'as pas les yeux verts. Ouais, non. Eh, t'as vu? Ben, toi, ils sont marron clair, mais après, je sais pas, là, comme ça, sombre. Eh, depuis que le physique a été vu, l'alchimie, c'est différent, t'as vu? Il y a plus, il fait moins le beau, elle parle moins, écrit moins. Impression, Ravine. Ben, elle est très bonne. Okay. Oh, elle ressemble pas à Félicia et elle okay. A vraiment rien à voir. Alors je ressemble à qui? Pour tu toi. Je ressemble à personne que je connais, enfin que j'ai en tête. Ok. Bonne chose. Pas une personne connue ni non. Personne que tu avais en tête. L'essentiel c'est qu'elle te plaît. Ouais. Voilà. Et que ce soit réciproque bien sûr. Je suis obligée de répondre. Ah tu veux laisser le. Bah ouais. Le suspense. Ouais, c'est plutôt bien comme ça quand on ne dit pas trop.
Ok. Bah après un date, c'est quand même un date normalement. Je crée mon propre avis tout seul. Ok. Et qu'est-ce que vous avez pensé alors du date à l'aveugle et tout? C'est comment comme sensation? Ah, franchement, c'est bien. Hein. Moi, j'aime bien. Ouais. Ouais, même moi, j'aime bien. J'aime c'est un bon concept. Et franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est très marrant. Et, il faut tomber sur les bonnes personnes. Et hachez que je bombe pas. Pas toi. Alors, est-ce qu'il y aura potentiellement une partie 2? Genre possibilité que vous revoyez hors caméra du coup. Hein. T'as pas voulu répondre à une question, réponds à celle-là. Voilà. Eh ouais. Mais non, non, c'est pas comme ça. Mais c'est quoi ça? Non, tu crois te sauver. Du coup, je suis obligée de répondre à ça. Tu crois te sauver à toutes les questions? Mais c'est pas que je me sauve, c'est t'as besoin de te sentir rassuré. Je suis obligée de répondre. Un peu, ouais. Pourquoi t'es pas trop? Je sais pas trop là. Bah après, là, je sais pas. Je suis pas confiance en moi. Bah après, le truc c'est que tu lui as pas donné le vrai truc. Quand je te dis, est-ce qu'il te plaît? Il m'a dit, oh, j'ai pas envie de répondre à ça. Non, c'est pas vrai. Donc, j'ai pas envie de répondre, c'est que des fois, c'est bien de pas répondre tout court. D'accord, donc c'est normal qu'il va se poser des questions. Oui, c'est plutôt pas mal non plus, ça aussi, de se poser des questions. Ouais, mais. Rester dans tu le laisses coup, un... c'est bien. Ouais, ouais mais non, mais moi, flou, tu non, le flou. Non, moi, je suis plus en mode. Alors, est-ce que tu. Alors, d'accord. Alors, on va procéder autrement. Ouais, mais j'ai compris ce que tu veux dire. On va procéder autrement. S'il te propose de te revoir ailleurs, resto, sortir, ou comme il avait dit. Vu le soir, ouais, nanana. Mais grave. Est-ce que tu dirais quoi? Ouais, moi je dirais oui. Voilà, elle a dit oui. Mon champion. Oui. Champion, elle a dit oui, les amis. Oui. Mon champion, les gars. Elle a dit oui. Il y a JP, j'ai trop envie de voir ça évolue comment JP et Barbara, la tête de Wamba. On les reprend. Là, franchement, il on les ramène les deux. Ouais, il était chaud bouillant là-bas. Que JP. Tu veux pas ouais, les ramener deux? Attends, d'abord, t'as ramené JP tout à l'heure. Ramène que Barbara. Attends, je ramène que Barbara. Il s'est posé et tout. Mais franchement, JP est en train de fumer sa clope, il était bien. Allez, je vous laisse un peu tous les deux, je vais aller chercher Barbara. Merci beaucoup d'avoir participé. J'espère que t'as passé un bon moment, c'était pas trop. C'est bon pour toi? C'était pas chiant? Non. Je suis drôle comme mec. C'est plutôt pas mal. Au niveau humour ou physiquement? Je voulais que je vous laisse. Humour, tu m'as demandé si. Ouais. Toi aussi, t'es plutôt drôle. Je vous dérange? Non, tu nous déranges pas. Barbara. Écoute, Barbara. Durant notre absence de l'autre côté des caméras, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il t'a parlé? Est-ce qu'il s'est ouvert? Est-ce qu'il y a eu quoi? Il m'a proposé. Quoi? Oh! Il a proposé quoi? Mais c'est bien, attaquant! I joke. Ok. Mais c'est vraiment cool, hein, tu sais, parce qu'il est gamer. Ouais. On arrivait bien à se parler. Après, franchement, ça va, c'est bien passé quand même. Ouais, enfin, je l'aime bien, tu sais. Bah, ça, c'est cool. Ça, c'est une bonne chose. Et du coup, t'as proposé quelque chose pour de vrai? Non. Arrête de mentir. Il t'a dit quoi? Pourriez vous voir plus tard ou? Non, mais on a juste suivi le live et. C'est bon, ça va, ça nous. Ça laisse d'aller. Ouais? Ouais. Bon, ça va, c'est cool. Franchement, j'ai bien aimé. Parce que tu sais, on est tous les deux des personnages uniques. Hein. Ouais. Donc j'ai bien aimé le contraste. Tu vois, il y avait un vrai contraste. Ouais. Mais ça, c'est trop bien en fait. Ouais. Ça, c'est cool. C'est parce que en fait, c'est tellement aléatoire. Ouais, tu sais pas en fait qui t'a derrière le rideau. Ouais, c'est deux neutrons libres, tu vois, et au final, qui ont réussi à parler ensemble. Ouais. Ben, franchement, j'ai kiffé. Merci beaucoup. Merci. Franchement, merci. Là, je vais faire venir JP. Ah oui, c'est vrai, on va voir JP. On va voir JP. C'est vrai, c'est vrai. Merci à toi, en tout cas. C'est vraiment cool de ta part. Ça marche. On a donné un peu ton Insta. Ah ouais, juste, reste. Comme ça, dès que je coupe, moi, je fais faire les TikTok. Ok, je fais quoi, je pars? Non. Bah là on va on va faire venir JP, on va voir moi, un peu ce qu'il en est. Moi je vais dire au revoir à tout le monde, etc. au chat. Et après je vais couper le live, on se rejoint tout ça. Et on se rejoint, là je t'accompagne. Allez. T'es beau gosse comme ça, habillé comme ça. Franchement, ma. Vas-y. On a rigolé tout le long du truc. C'est vrai. Alors vas-y raconte, raconte. Avec elle, vas-y, raconte. Il y en a un dans les commentaires. Non, approche-toi, ouais. Tu sais, il y en a un dans les commentaires, elle dit, ouais JP, il doit la soulever. Elle a regardé le clavier, elle a marqué, yes. Oh. Ça veut dire que tu vas. Je sais pas. Après, attention, faut que tu ailles mon l'autre. Ouais, je vais mon l'autre, tranquille. Sinon. Non, mais tranquille, sinon, on va parler. Venir faire une fresque sur le mur. Ah ouais, ouais. Oui. Trop bien. Oui, je me dis qu'elle fait un dessin de lui sur le mur. Ça soit va être cool. Soit moi, soit un dessin qu'elle va faire. Donc, tu vois, au final, tu vas avoir l'occasion de plus parler avec elle pendant qu'elle va faire tout ça. Est-ce que t'es content de faire de ton content? Franchement, tu vois, tu vois ça, tu vois le voir sourire, je suis super content. Tu vois le voir sourire, ça fait plaisir. Là, je suis bien. Je vais dire une chose. Merci le chat parce que vous lui avez laissé des bons commentaires. Ouais, sur Instagram. On m'a montré les commentaires. Un. Oui, bah après, voilà, il y a toujours Voilà, toujours un. Des personnes qui voilà.
Elle m'a dit, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes dans le monde. C'est normal. Du coup, donc, la personne là, enfin Barbara, c'est une personne que tu aurais été content de, de rencontrer. Largement. Ton style de meuf. Ça va, je me suis pas loupé. Hein? Ton style de meuf, ouais. Le profil, il est incroyable. Ça va, je me suis pas loupé. T'as regardé, t'as suivi un peu le date de Safine, t'en as pensé quoi? Doucement. T'en as pensé quoi? Ils vont bien ensemble? Je sais pas. Je peux pas te dire. Et tu peux pas me dire? Non. Mais vraiment, je voulais souligner une chose, vraiment, je vous promets, la team, c'est pas du tout une personne qu'on a fait un travail genre fake ou truc comme ça. C'est vraiment pas fake du tout, ça. Elle connaissait pas du tout JP. Et non, du coup, le même que ce que tu dis, la tête de WAM, de toute façon, j'ai juré les gars, et ça n'avait aucun intérêt, ça aurait pas été... Aucun intérêt qu'elle paye, qu'il paye une escorte, et à la limite, quoi. À la limite, j'aurais ramené un fake ou un truc comme ça, ça aurait été drôle. Ouais, mais je serais allé dans la vanne, je serais allé dans le troll, je serais allé dans le truc. Là, vraiment, ça aurait été drôle pour lui, mais pas pour moi. Ça aurait été encore plus le contraire. Alors, ça s'est passé comment? J'ai pris un bras de fer, je l'ai gagné. C'est tout? Ouais. Il y a un bon feeling ou pas? Ouais. Okay. Ça va. Elle est gentille quoi. Non, ça va entre nous. Peut-être que. T'es content de ta continuité? Tu proposes de la voir ou pas? Tu proposerais d'aller la voir ou pas? Du tout. Sérieux, sérieux, on parle sérieux. Deux doigts ça veut dire non. Un doigt ça veut dire oui. Elle regarde là-bas ou pas? Ah, on sait pas, c'est vrai. Peut-être qu'elle regarde. Je sais pas. En fait, elle fume, frère. Ouais, ça qui. Après, faut pas s'arrêter. Nah, voilà, je déteste trop. C'est un. C'est rédhibitoire, fumer. Ah, sur ma mère, je déteste ça. Tu vas la revoir? Moi je pense que oui, tu la revois. Tu vas la revoir? Non. Okay. Bah, après, c'est... Ouais, c'est ton choix, tu fais ce que tu veux. Par contre, toi, j'aimerais bien te revoir. Ça va, tu me fais le salut. Salut Balama. Aujourd'hui, félicitations, un live où Safine et moi on n'est pas de jouer. Elle a le don. Magnifique. Ouais, bah oui, je t'ai dit. FC Saf. Tu vois, c'est pas le genre de fille. Fidèle à ses valeurs. Fidèle à ses valeurs. La qualité et tout, ça fait pas. FC ça, fidèle à ses valeurs. Il va se branler. Oh, bien qu'on va faire un barbecue, je vais l'inviter. Hein. Bah oui, surtout le barbecue, elle aime bien ça. Allez. Super champion. Notre famille. Eh oui. Du coup, il y aura un nouveau concept par rapport avec Nazir dans pas longtemps. En fait, on va lui faire plein de petits. On va essayer de faire un travail en fait avec JP. Parce que le vrai boulot, c'est que tu reprennes vraiment confiance en toi par rapport à une femme. Et comme il l'avait dit, clairement, son rêve, c'est de fonder une famille un jour, d'avoir des enfants, etc. Et si on passe pas par ce travail, que tu resteras bloqué. Mais j'ai déjà, tu sais quoi, j'ai déjà le but en tête. C'est pas le but. Petite table sur style soirée, deux chaises, des petits verres posés. On le fait passer avec une meuf. Premier test, après il revient, on ramène une autre meuf pour un autre. Tu vois, oui. Après, voilà, on va. Plein de petits tests. Par contre, là, pour le coup, ce sera des meufs qui seront là pour t'aider. Ouais, en mode, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais c'est après, c'est que de l'expérience. Voilà, il faut que tu fasses de l'expérience et voilà, c'est comme un entraînement. Voilà. Parce que les dents, si tu reprends pas confiance en toi, ça va pas faire. Bon, les gars, fin du live. Cœur sur vous, merci beaucoup. Merci les copains. Demain, 20h45, on sait pas encore ce qu'on fait, on va voir. Si, tu sais. C'est quoi? Il t'a dit, ton frère. Je vous ai entendu parler. Ah ouais, il y a un truc, mais je sais qu'il y a un trou de mémoire. Même moi, j'ai oublié. Ok, bon allez les gars. Ciao la team. Vas-y, la danse. Allez, la petite danse, allez, les tours. Avec la nouvelle tenue. Allez, la nouvelle tenue. Voilà. Là, ici, voilà. C'est La confiance. La confiance. Vas-y, montre-lui. Les épaules, comme ça. Tenez-moi. Voilà. Attends. Voilà, très bien. Je vais me faire des passes. Voilà. Fais ça aussi, fais ça. Ouais. Voilà. C'est un peu mariage après. C'est bon. Les gars, fin du live. Gros bisous, bonne soirée à toi. Watch out. Et on se dit à demain. Mon frère. On se dit à demain. Mon frère. Gros bisous. Ah le chibre qu'il a. La facette, j'ai caché du shit dans ma casquette. Sur la biche, j'fais des cascades, une, pas deux, t'inquiète, j'mets des pastèques. La concu, tout éclaté.